Yahoo et Dibancha, donc aujourd'hui on se retrouve avec grand plaisir pour le calendrier de l'après. Et donc dans le calendrier de l'après, donc j'ai expliqué ce qui s'est passé dans la précédente vidéo. En fait j'ai eu un problème, j'ai enregistré l'ouverture et enfin avec cette tenue donc du 25 et du 26, sauf que j'avais oublié d'activer le micro. Donc pour le jour numéro 25, j'ai eu une Funko Pop qui est celle de Tigrou en version floquée. Je l'avais ouverte pour voir du coup comment c'était fait. C'est ma première floquée. Et voilà à quoi elle ressemble. La matière du bonnet, la matière du nez, la matière des cadeaux sont en matière plastique. Et le reste est en floquée. Ils ont pensé à faire la moutmout et le petit pompon du coup du bonnet en version floquée. Et donc ça c'est trop génial. Et c'est ma première floquée et je disais aussi du coup qu'elle sera parfaite pour mettre dans mes étagères et décorer justement mes étagères manga pour Noël l'an prochain, sachant que là cette année je n'ai pas du tout aimé. Par contre je tiens à préciser juste, ça a été acheté à la Fnac et je me rends compte que la Fnac, il y a un antivol. Donc ça veut dire qu'ils ouvrent les boîtes pour mettre des antivols. Sauf que ceux qui sont des puristes et qui disent qu'il ne faut surtout pas déceler une Funko Pop et tout ça, si vous achetez à la Fnac, en fait, vous faites entuber. Voilà, c'est cadeau. Et donc, pour le jour numéro 26, j'ai eu ces deux mangas-là. Donc, Paka qui est Mangetsu. C'est nul, ils n'ont pas mis le nombre de tomes alors que je crois qu'il est terminé au Japon. Et je disais que la qualité de dessin était plutôt simple, je trouve. Voilà. Et ensuite, donc celui-ci que je ne connais pas spécialement. Donc les deux ont été achetés à... Non, pas forcément achetés à Easy Cash. Celui était à la bouquinerie Plus. J'ai eu de la chance parce que hier j'ai failli l'acheter en me disant « Allez, il y a les deux premiers tomes à la bouquinerie Plus, c'était un signe et tout. » Mais comme je l'avais mis aussi dans le calendrier de l'après, l'avant-après, j'avais peur de tomber dessus et tout ça. Donc je fais ultra gaffe à ce que j'achète ou quoi. En occasion en ce moment. On continue donc ce calendrier l'après. Et donc si tu as vu la vidéo calendrier l'avant, je t'ai annoncé que finalement en fait on ne partait pas le 28, on part le 30. Mais comme j'ai commencé à filmer deux jours, je me dis que ce sera plus simple. Comme ça aussi je fais vite fait la vidéo qui sortira donc le 31 jour, le 31 même ou le 1er à voir. Mais toujours est-il, ça permet aussi de moi me soulager mentalement de ces vidéos parce que donc là le jour où je filme on est le vendredi 23, j'ai celle de lundi qui est alors j'ai celle du 24 qui est prête, j'ai celle de lundi qui est prête, il y en a une qui sort aussi dans la semaine qui est déjà prête, je pense que ce sera peut-être le 27, un truc comme ça, en gros ouais, 27 ou 28 je sais pas trop. Et donc du coup bah, au moins j'ai la dernière vidéo pour l'année de Ibi Otaku. Et comme ça, j'en parle plus parce que, en plus, là. Alors, je peux pas vraiment dire au niveau du déménagement où j'en suis, etc. Mais disons qu'à mon avis, il vaut mieux que je prévoie au moins d'avoir le plus d'avance possible pour le mois de janvier pour être tranquille. Et donc, du coup, je préfère me débarrasser de cette vidéo-là, en fait, au final, le plus tôt possible. Bref, donc. La case numéro 27, du coup. Oh! Attends. Oui, c'est bon. Le manga Corps solitaire, c'est le tome 5. Alors non, je n'ai pas lu plus loin que le tome 1, mais je sais que ça, c'est un titre qui ne devrait pas me décevoir techniquement sur la longueur. On l'a payé 5,70€. Je ne sais pas du tout son prix d'origine, vu que c'est les éditions Kana, je ne connais pas par cœur. Il date de octobre 2021 en France. J'aurais tant de retard que ça. Bon, peut-être, possible. Hein. Après, je sais qu'il est assez long à sortir, donc voilà. Donc en tout cas, je suis très content et ça, je vais essayer de le lire dans l'année pour en faire une petite vidéo. Ça pourrait être sympa d'ailleurs pour la période Saint-Valentin, pour montrer autre chose que de la romance niaise, etc. Ça, il est vraiment très très intéressant et très fascinant comme titre. Donc voilà, en ce qui concerne le premier jour, enfin le 27 du coup, et pour ce qui est du 28...
Ah, je sais pas si vous avez vu, mais il manque un panda parce que tout simplement il a été offert, hein, vu que le 15 s'est passé. Voilà. Et ensuite, oh, la bouquinerie plus encore, 5,60 au lieu de 7,99. Et on a le tome 11 de Fantasy Lazy Life. J'ai fait deux vidéos présentation de ce titre. Je sais plus où j'en étais. Il y a la petite parapluie parce que tu me gênes. Je sais même plus où ils sont les Fantasy Lazy Life. Ah si, 1, 2, 3, 4. Attends, pardon, j'ai essayé de voir aussi si vous étiez toujours en champ. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Donc je dois avoir jusqu'au tome 7. Et bon, on a trouvé le 11 en occasion. Donc voilà, c'est pas très grave. Je crois que j'ai dû lire jusqu'au tome 6. Donc ce que je ferai, c'est que je vais me le garder pour octobre cette année. Enfin, voilà. Et je vais compléter. Donc je vais revoir où j'en étais. Je pense que je devais être au tome 5 ou un truc comme ça. Et ça me permettrait d'aller jusqu'au moins au tome 11. Le tome 11 est sorti quand? En juin 2022. Donc il y a moyen qu'il y ait eu le tome 12, voire peut-être tome 13 de sortie depuis. Ce qui pourrait être pas mal quand même de faire les 13 premiers tomes. Et puis j'essaierai après de couper un endroit bien clé et de me faire une feuille résumée en fait que je mets dans le dernier volume pour reprendre juste le dernier volume et réattaquer, etc. Bref, toujours été très très content parce que ça c'est une série vraiment où j'ai eu un bon coup de cœur dessus. Et voilà, enfin coup de cœur, juste coup de cœur hein, je crois bien. Mais voilà, enfin, en tout cas pour que j'ai continué c'est qu'il était plutôt pas mal. C'est un isekai qui change complètement la donne par rapport aux autres. Voilà, je te laisserai de toute façon aller voir dans la barre d'infos, je te mettrai le lien de la vidéo. Nous sommes le 24 au matin, il est 10h pour moi. Et donc je dois ouvrir la case numéro 29 et la case 30 et je ferai demain la case 31. Là je sais que c'est un grand manga. Oh, trop bien, Tokyo Confidential. C'est un hentai de Seiko, mais c'est bien, je peux te montrer la couverture. C'est un manga à 13,90€, on l'a payé 10,40€, mais en même temps il était très récent, donc je pense que le prix, voilà. Et c'est un hentai en 3 tomes si je dis pas de bêtises. Alors c'est un taille, pas vraiment, je crois que c'est plus un, on appelle ça, itchy, enfin, un truc que tu vois plus, c'est plus qu'autre chose. Ouais, on voit qu'ils le font, mais on voit pas les détails, quoi, en gros. Ça resterait, du coup, élégant et tout ça, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, par contre, il y a des trucs style quand tu es attaché avec plein de cordes sur tout le corps et des trucs comme ça. Mais c'est pas mal parce que ça permet de changer, en fait. Voilà. Et le... Je vais rester comme ça. Et la case numéro 30, c'est tout petit, par contre. Le tome 7 d'Orange. Voilà, j'avais présenté les 5 premiers tomes. Et après, j'avais pas lu le tome 6 parce que je savais qu'il devait avoir déjà un tome 7 à l'époque. Et on a attendu je ne sais combien de temps pour l'avoir, vu qu'on l'a eu là ce mois-ci. Donc voilà, le tome 7 d'Orange. Donc j'ai très très hâte de le relire et de le représenter. Ça pourrait être cool. Voilà, je le lirai du coup dans l'année, bien entendu, 2023. Voilà, donc ça fait au moins 3 fois que j'essaie de faire un joli yahoo, alors qu'en fait, non, on est là pour la case numéro 31. Je pensais que ça serait, tu sais, comme depuis le départ, soit la... le sachet en papier qu'on avait piqué à Cultura, ou alors éventuellement un petit sac en papier comme ceux de Geek in Japan. Oui, il y a des trucs dedans que je réutilise. Mais non, c'est encore plus gros que ça, parce qu'il y a un sac en papier... Mais il y a ça aussi. Alors, soit la personne a demandé des mangas à ma place en collab avec IDP, soit la personne a commandé sur Anime Store et a eu beaucoup de chance parce que j'ai failli commander et j'aurais pu voir du coup qu'il y avait eu une commande. On va ouvrir ça d'abord ensemble. Ce sac en papier, si tu veux, il n'y a rien de mis dessus. Donc, c'était le carton était posé par-dessus pour cacher. Donc pour éviter, tu vois, je reste comme ça, sinon si je penche la tête en avant, je peux le voir. Sauf que je ne sais plus où poser mes affaires. Voilà. La facture, on va peut-être éviter de la regarder. C'est un DVD.
si tu avais vu la façon dont j'ai lâché le papier, l'espèce de papier bulle. Le coffret de la saison 3 de Fruit Basket. Voilà. Ne pas pleurer. Mais pour ceux qui ne le savent pas, au cas où, Fruit Basket est vraiment le manga papier qui m'a fait commencer. Et c'est l'un des mangas que j'aime le plus au monde. Et je m'étais acheté les deux premières saisons. Et donc, il me manquait la troisième. Mais elle est sortie il n'y a pas très très longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Et très clairement, je n'avais pas les moyens de me permettre de me l'acheter. Donc j'ai les trois saisons. Moi, pour l'instant, j'ai décidé finalement de les laisser sous blister parce que je crois pas qu'il y ait spécialement de goodies avec. Et comme c'est disponible aussi sur Crunchyroll, si je dis pas de bêtises, je regarderai les épisodes sur Crunchyroll sur ma télé quand j'aurai déménagé. Parce que quand j'aurai déménagé, j'aurai peut-être enfin mis Crunchyroll du coup sur la télé parce que je crois que ça peut se faire. Donc je le ferai depuis mon appartement. Ce sera le premier animé par contre que je vais regarder, ça c'est clair et net. Sur mon appart. Voilà, et on va attaquer avec le deuxième truc parce que je vois que ça clignote la batterie. Alors, tu vois, c'est comme ça, mais si je regarde au-dessus, je peux voir. Donc, toi, je te laisse voir que tu rigoles de ce que je vais avoir. Donc là, je te regarde dans les yeux pour essayer de ne rien voir. Je vois, c'est une grande boîte et enfin, j'arrive à comprendre que c'est une grande boîte, donc ça doit être une figurine. Ne pas pleurer, ça va être compliqué. C'est une figurine de Yusuke. Je sais pas si tu verras avec tous les éclairages et tout ça. Tu vois, il y en a 36 000 éclairages parce qu'il y en a un autre là-bas. Ouais, c'est une figurine de Yusuke dans Yu Yu Hakusho. Voilà. Je sais en plus que mon meilleur ami voulait me l'acheter, mais je lui ai dit laisse tomber parce que je pense qu'elle va finir dans mon calendrier et j'avais raison. Voilà. Ou qu'elle allait finir plutôt en cadeau de Noël, mais donc voilà. Donc ça, je vais l'ouvrir dans une vidéo qui sortira début janvier parce que je sais que j'ai eu d'autres trucs. Enfin, le jour où je filme ça, on n'est pas le 31, ça tu le sais, on est le 26. Donc j'ai eu des cadeaux de Noël et j'ai eu aussi une figurine aussi de Abistai. Donc on fera une vidéo ouverture figurine, je pense Abistai, et une après avec la fameuse Miku que j'ai un petit peu en retard. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo calendrier de l'après aura plu. N'hésite pas à me dire, du coup, je réinsiste, mais n'hésite pas à me dire si tu veux que l'an prochain, on refasse un calendrier de l'avant. Après, on verra comment on va faire, parce que ce qui m'énerve un petit peu, c'est d'avoir des nouvelles séries, sachant que j'essaie vraiment de pomper dans mes séries que j'ai déjà dans ma pile à lire. Donc je sais pas trop comment on va faire. Est-ce que ça sera uniquement des mangas qui seront des complétages de séries? Mais ça risque d'être compliqué. Est-ce que ça sera uniquement des goodies? Est-ce que ça sera par exemple plus de goodies, genre 60% de goodies, 40% de mangas? Je ne sais pas trop, mais n'hésite pas à t'exprimer, n'hésite pas à nous donner peut-être éventuellement des idées pour l'an prochain. Parce qu'on va forcément, comme d'hab, commencer à faire les achats dès le mois de juillet. Donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas du coup d'aller voir les deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation. Je te mets en barre d'infos la playlist du coup des calendriers de l'Avent si tu veux voir même les vidéos de l'an dernier parce qu'elles y sont encore sur la chaîne. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted et le compte Twitch. Et sur ce, à bientôt!